Bonjour peuple du chemin du ciel. Avant de commencer cette vidéo, je fléchis le genou et je demande pardon à le Dieu de Papa Florian. Parce que j'ai fait un songe où Dieu de Papa Florian me dit de fléchir le genou, d'attacher ma tête et de demander pardon pour les avortements que j'ai faits. C'est pour ça que j'ai fléchi le genou et je demande pardon à Dieu de Papa Florian. Pardonne-moi pour les avortements que j'ai faits. Puissance, feu, je fais ce témoignage, je devais le faire, ça fait bientôt un mois que je vais mieux, puisqu'on est au mois de novembre encore, et au mois d'août, mon genou gauche me fait mal, ce genou qui me fait mal, j'ai eu un accident, ça fait 19 ans, j'ai eu un accident sur ce genou, et le genou, avant que le genou, les douleurs ne commencent, j'ai fait un songe. Dans le songe, il y avait ma mère et une autre femme. Elles étaient assises à la terrasse d'une maison. Et cette maison, moi je sortais d'une chambre de cette maison. Et là, je vois ma mère qui discute avec la femme. Mais je ne sais pas ce qu'elle se disait. Et moi j'ai commencé à enregistrer ce qu'elle se disait. J'attendais pas. Comme j'étais un peu loin, je ne voulais pas qu'elle me voie. J'étais un peu loin. Et du coup, je me suis approchée. En voulant m'approcher, j'ai tiré mon cou et ma mère et moi, nos regards se sont croisés. Là, elle a donné l'ordre aux gens, les hommes qui étaient dans sa cour, de me poursuivre et de m'attraper. Ne pas me tuer, mais de me briser les jambes. Et quand ces hommes-là me poursuivent, elle m'appelle Zagoïma. Moi, je me retourne et je vois les gens derrière moi. Et là, dans le songe, je vole. Je vole. Et je me suis retrouvée dans un champ d'igname. Et je me suis réveillée. Je suis partie au médecin. Parce que mon genou avait commencé à me faire mal. Le médecin m'a dit, comme c'est une ancienne blessure, tu vas passer l'IRM au lieu des radios. Là, je passe l'IRM. On ne trouve rien dans le genou. Et je suis revenue. Je suis revenue le soir. Je me suis couchée. Le genou me faisait mal. Mais très mal. Et j'ai ma fille Patricia, si c'est en Italie, qui me dit, maman, prends le sel, masse le genou. Et c'est ce que j'ai fait. Aucune réponse. J'ai pris le sel. Quand je me suis massé, j'ai pris le sel. J'ai eu l'idée, j'ai pris le sel. Et j'ai jeté sur mon lit. Et j'ai dormi dans le sel. Là, moi qu'on poursuivait tout le temps, chaque nuit dans les songes, il n'y a plus personne aujourd'hui qui me poursuit. Et je veux aussi parler de la révélation divine qui m'a guéri. J'étais paralysée. Suite au songe, j'étais paralysée. Dans un songe. Dans le songe, là, j'entends une voix qui me dit, toi, tu dis que tu as mal au genou. Tu n'as pas mal au genou. On t'a jeté la trousse dans les jambes pour te paralyser. Et quand je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Pendant un mois et demi, une paralysie totale. Moi qui aime marcher pendant des heures et des heures. Le 9 août jusqu'à septembre, je ne pouvais pas marcher. Une nuit tellement j'avais mal. J'ai pris la révélation divine, j'ai mis dans un pot. J'ai massé mes genoux avec. Je ne me suis pas purgé. J'ai massé mes genoux avec. J'ai attendu que ça sèche. J'ai pris le sang de Jésus et j'ai mis par-dessus. Quand j'ai fini de mettre tout ce qui marchait dans mes jambes, ça s'est arrêté. Parce que ce n'est même pas tout mon corps. C'est qu'au niveau de la rotule. De la rotule jusqu'à mon mollet et à mes orteils. On dirait comme si on m'avait mis l'eau. Dès que j'essaie de marcher, de faire quelque chose, je sentais quelque chose qui coulait en moi. Mais depuis j'ai mis la révélation divine dans le pot et j'ai massé avec. Je ne me suis pas purgé. J'ai bien dit, je me suis massé avec la révélation divine. J'ai mis dans le pot et j'ai mis l'eau. J'ai massé avec. J'ai attendu que ça sèche et j'ai mis le sang de Jésus. Et ça a séché. Le lendemain, je me suis réveillée. Il n'y avait plus rien. Voilà comment Dieu de Papa Florian m'a sorti de la paralysie pendant un mois et demi. Je voulais dire merci. Je voulais rendre ce témoignage. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas le faire. Et chaque fois que je le faisais, la vidéo s'effaçait. Et aujourd'hui, j'envoie cette vidéo pour dire merci à Dieu de Papa Florian qui m'a sorti de la paralysie. Puissance, feu, puissance,
feu. Merci, peuple du chemin du ciel. Merci, Dieu de Papa Florian. Merci.